Bonjour à tous, nous voici pour le tarot pour la semaine du 13 décembre 2021. Alors, comme vous pouvez le voir, non seulement on a changé de jeu, donc c'est un jeu de tarot d'Osvalvirs, et aussi on a changé un petit peu la façon de faire, à savoir donc deux lames en haut qui donc la première donnera en fait la teinte générale avec donc l'arcane majeur. Et plus d'explications avec l'arcane mineur et en dessous votre atout pour la semaine. Alors, si on commence donc par le haut avec l'arcane majeur, on est sur le chariot et sur le 7 de coupe. Alors, cette association donc est très intéressante. On connaît le chariot. Le chariot, c'est vraiment le symbole de la victoire. Mais c'est aussi donc le 7 de coupe lui indique qu'il faut faire des efforts. Donc voilà. Maintenant donc dans cette association des deux, j'ai envie de dire au niveau affectif, tout simplement, c'est que donc les relations sont marquées par l'amour, mais aussi le dévouement. Parce que le 7 hein, de coupe, je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment donc la notion d'effort. Donc des relations affectives marquées par l'amour et le dévouement. Mais en tout cas, cela indique quand même qu'il y a peut-être eu des petites crises au niveau affectif les dernières semaines, mais que du coup, vous prenez des résolutions tout simplement pour améliorer l'entente affective. Donc voilà, pour le domaine affectif, vous essayez un peu de recoller les morceaux tout simplement cette semaine. Maintenant, en ce qui concerne cette association dans le domaine professionnel. Alors, dans le domaine professionnel, ce que je vous disais, hein, le 7 de coupe, c'est donc l'effort. Donc voilà, il y a beaucoup de volonté pour vous cette semaine. Vous avez envie, en fait, tout simplement, d'atteindre vos objectifs. Donc, vous allez mettre tout en place pour que cela fonctionne. Et vraiment, vous mettez vos compétences en avant et votre volonté en avant. Et cela fonctionne. Donc, au niveau professionnel cette semaine, vous allez réussir à quelque part vous investir suffisamment pour que ça se voit et que ça porte ses fruits. Voilà, donc dans le domaine professionnel, voilà ce qu'il en est. Maintenant, au niveau matériel. Alors au niveau matériel, on est sur quelque chose qui est assez sécurisant, plutôt rassurant, hein, parce que donc le chariot avec la victoire et donc le 7, c'est aussi un symbole, 7 de coupe, c'est aussi un symbole de sérieux. Donc je pense que du coup, cette association des deux indique que vos finances, quelque part, amis Bélier, elles devraient donc tout simplement être assez sécurisantes. Donc voilà, en tout cas, on revient, je vous l'avais déjà dit la semaine dernière, je pense qu'en fait, vous avez commencé à mettre en place une façon différente de gérer vos finances. Déjà la semaine dernière, on sentait une espèce d'aller vers la stabilisation et ce sera toujours le cas cette semaine. Donc je pense que vous consolidez vos finances. Donc voilà, donc on voit en fait l'association de la stabilité avec l'empereur et la quiétude, on va dire avec le 7 de coupe. Donc vous mettez en place des choses assez solides, assez fermes. Je pense aussi que vous allez concrétiser certains projets. Voilà, maintenant en ce qui concerne le petit atout pour la semaine, l'atout pour la semaine c'est le battleur. Alors le battleur indique en fait une rapidité dans l'exécution. Donc je pense que cette semaine, vous allez certainement, sous l'influence de Mars, hein, on l'a déjà dit, Mars en Sagittaire a tendance à donner beaucoup plus la pêche aux signes de feu, dont vous, ami Bélier. Donc je pense que en fait, vous avez quand même, même si le climat est quand même assez difficile, vous avez quand même énormément d'énergie, vous avez envie de bien faire, vous êtes dans quand même dans une dynamique très positive. Donc voilà, bah, écoutez, avec tout ça, j'ai envie de dire, ça devrait donc être une bonne semaine avec une voie de stabilisation, une voie de concrétisation des projets. Donc c'est très important. Eh bien écoutez, je vous souhaite donc une excellente semaine. N'hésitez pas donc à me contacter si vous voulez en savoir plus pour vous, tout simplement. Et à très bientôt!